Bonjour et bienvenue à Geek Ferris TV. Alors aujourd'hui on se balade dans Paris hein, pour savoir ce que les gens pensent des geeks et ce qu'ils savent des geeks, hein, s'ils ont eux-mêmes déjà joué. Alors on va faire ça tous ensemble maintenant pour la suite. Quel a été votre premier support de jeu ? La Game Boy Color, comme tout le monde, ouais, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Je l'ai eu aussi. Non, Nintendo. Laquelle ? C'était quoi déjà, Nintendo ? C'est la carrière, ouais. Ouais, voilà. La GameCube ? Non, avant. La Nintendo 64 ? Non, encore avant. Encore avant, vraiment la... La NES ? Voilà, exactement. C'est ouais. Ça, ouais. C'est le premier truc qui existe. Ouais, c'est la première. Quel jeu vidéo vous a le plus marqué ? Je sais pas, mais il y en a tellement en même temps. Enfin, entre, il y a FIFA, il y a FIFA, on y joue tout le temps. Il y a bah, Pokémon forcément, les bases. Après, il y a quoi d'autre? Warcraft aussi, c'est un classique. Counter. Je pense que ce serait Counter parce que j'ai vraiment geeké sur un an au moins sur Counter. Ah, c'est ça que c'est bon. Non mais moi je joue pas trop en fait, hein. J'ai juste joué aux Sims. Moi GTA, à fond. 007. Sur Nintendo 64. Non, c'est Mario Kart. World of Warcraft pour moi. En PC. World of Warcraft, sans PC. Quel jeu vous évoque The Cake is a Lie? Le gâteau est un mensonge, ça m'évoque ça moi. Proprement dit, ouais. Elle est où? Je vois que ça. Moi, rien du tout. Moi, j'ai aucune idée, c'est quoi? Moi non plus, c'est quoi la réponse? C'est Portal. Ah oui, je connais. Je suis passé. J'y ai joué en plus. J'y ai joué, mais je connais. Oh là là. Non, ouais, ça m'a pas marqué en tout cas. Elle est assez loin dans le jeu. Ouais, il faut aller plus loin dans le jeu. Quel est le dernier jeu auquel vous avez joué? Far Cry 3. Oh, je pensais que ça allait être. Bah, non, moi, les Sims. GTA. Quel est l'animal favori des geeks? Ça c'est une question bien mais j'ai aucune idée. La taupe. Bah non. La taupe. Ah pas mal. Chez soi, non, caché. Un animal qui va. Mais non j'ai. Je suis désolée, l'animal, on n'est pas très fort, hein, mais on essaye. Ouais. Je pense le chat. Non. Je ne sais pas. Mais le geek. Ah mais en général le geek. Oh. Il faut qu'on il y a une réponse. On se dit que c'est le chat. Ouais, parce que j'ai des copains qui sont les geeks et ils ont tous les chats. Tous les chats. Ouais. Tous les chats. La souris. Ah c'est pas mal. Les chats. Ouais, je voulais dire les chats aussi. Les chats ouais. Quelle est la couleur et le métier de Mario? Mario, les... Pili. Quelle est la couleur? Bah, la couleur, c'est rouge et bleu. Oui. Et puis, il est... comment on dit ça? Plumber. Je ne sais pas comment on dit ça. Ouais. Plombier. Parfait. Ensuite, vous savez, il a un frère. Quel est le nom de son frère et de quelle couleur est-il? Luigi. Et la couleur? La couleur vert et bleu. Oui, non. Vert et bleu. Ouais, c'est juste. Zelda est princesse de quoi? Ah ouais, ça c'est chaud. C'est je sais même pas. Mais Zelda, c'est... Ah... Je sais pas. Hyrule ou un truc. C'est pas un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est ça, bravo. C'est ça. Bien joué. Bravo, bravo. Que vous évoque en quelques mots le terme geek? Qu'est-ce qu'un geek pour vous, en quelques mots? Déjà avec ses petites lunettes, en train de manger et jouer en même temps, il se douche pas, il dort pas, surtout il dort pas. Moi j'imagine le mec frais, beau, intelligent, qui séduit les femmes en jouant aux jeux vidéo. Moi c'est quelqu'un qui reste toute la journée sur l'ordinateur. Enfin, non, j'exagère, pas toute la journée, mais. Qui passe toute la nuit sur l'ordinateur à jouer. Non, qui est beaucoup. Pas la journée. Non, qui est beaucoup. Moi pour moi c'est un passionné d'informatique, mais plus qu'un passionné en fait. Ça c'est plus positif déjà. D'accord. Prononcez ce mot. Oui, c'est ça, oui. Yeah, it's an offer for mass, multiple, yeah, the O, I don't remember the O. Dites-le en entier.
Dites-le en entier, juste lire. Juste, pas traduire. Ok, MMORPG. Morps. 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 Désolé, je suis passé. Morgb, ouais, ouais. MMORPG. MMORPG. C'est ça qu'on veut en fait. MMORPG, c'est ça? Bonjour et bienvenue de retour. Alors vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de... Non, non, pas Merci, bande de cons. Je disais, bande de fumier, vous avez cassé mon effet là. Je disais, on n'a pas eu beaucoup de retours parce que être geek apparemment en France, c'est assez tabou. Rien qu'en voyant le microphone avec geek dessus, il y a certains groupes qui faisaient « Oh, geek !» C'était assez drôle finalement. Puis vraiment des personnes nous regardaient assez de travers. Et puis ça me fait penser, quoi, moi qui suis suisse, en Suisse, c'est un peu plus apparemment ouvert d'esprit. On peut se balader en cosplay dans la rue, on ne te regarde pas forcément trop de travers. Alors qu'ici, tu passes pour un sacré con. Je découvre un peu la France avec vous et puis c'est ainsi que je vous laisse. À vous les studios Geek Ferries. Voilà.